Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au niveau de l'équipe de délivrance, Dieu a manifesté sa puissance au milieu de nous. Hier, pendant les prières de combat, quand nous avons fini, je vais d'abord donner le rapport et puis rendre deux témoignages. Les personnes qui ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu, touché, il y a eu 374 personnes. Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur était à l'œuvre. Les démons qui ont fui, c'est-à-dire que les démons qui se manifestent et qui sont partis. Nous avons eu 400 démons qui ont été chassés. Jésus-Christ. Jesus Christ. Les personnes qui ont été guéries instantanément, pendant que le pasteur priait, certains sont venus à notre niveau. Nous, à notre niveau, c'est que nous avons observé les guérisons instantanées. 150 guérisons. Jésus-Christ. Les bien-aimés se sont chargés de faire certains baptêmes hier. Ou du moins même ce matin, de la journée d'hier à ce matin. Nous avons enregistré 122 baptêmes. Je vais rendre deux témoignages de délivrance, c'est-à-dire un témoignage de délivrance et un témoignage de guérison. Nous avons enregistré à notre niveau une sœur à qui un esprit qui se disait « Je m'appelle Marie ». Donc quand l'esprit a dit son nom, les frères ont tenté de le chasser, mais l'esprit a beaucoup résisté. Et pendant que je faisais la ronde, je suis arrivé à leur niveau et j'ai entendu « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis depuis là, vous êtes en train de durer, ils m'ont dit que non. Il dit qu'il s'appelle Marie. Je leur ai dit non, ce mensonge-là, pourquoi vous pouvez accepter ce mensonge? Depuis quand la mère de Jésus, la vraie mère de Jésus s'est manifestée? Depuis quand elle est démon? C'est la ruse. L'esprit s'est tué. Et puis, on a attendu un silence. À un moment donné, la sœur est revenue en elle-même, elle dit, elle nous pose la question, j'étais où? L'esprit est parti. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for the Lord Jesus Christ. C'est-à-dire qu'il faut connaître comment les démons travaillent. Quand nous avons dit, est-ce que la vraie mère de Jésus, celle qui a accouché Jésus, est-ce qu'elle est démon, est-ce qu'elle se manifeste dans un corps? Silence. Donc, d'où Marie est quittée. Allez, va! C'est fini. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Une autre sœur. Il y a eu plusieurs délivrances, plusieurs guérisons. Je vais rendre deux. Et le deuxième témoignage à ce niveau. Il s'agit d'une sœur en qui un esprit, un mari de nuit s'est manifesté. La sœur était enceinte. Ça, c'était de l'autre côté, derrière la balle de ses mères. Et quand je suis arrivé au niveau des frères, les frères avaient du mal, puisque le ventre était vraiment gros. Donc, pour maîtriser la sœur et l'esprit, la sœur se débattait entre les mains des frères. Donc, on a dû la maîtriser. Et quand j'ai demandé, on a demandé que c'est un mari de nuit. Nous avons demandé son nom. Il a refusé de dire son nom. J'ai dit, et nous avons dit, on n'a même pas besoin de savoir ton nom. Tu es un voleur. Comme ton maître est voleur. Et il a ajouté, elle m'appartient et l'enfant qui est dans son sein aussi m'appartient. Vous voyez, l'enfant qui n'est même pas encore né dans le sein de sa mère était déjà consacré au démon. Frère, quand nous avons commandé au nom de Jésus, il a dit vraiment, vous êtes des vrais enfants de Dieu, je m'en vais. Jésus-Christ. Jesus Christ. Avant de partir, voici le témoignage que lui-même l'a rendu. Nous savons que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Il a dit, ici,
je ne peux rien faire ici. Parce que même le pasteur qui dirige, votre pasteur là, lui-même m'avait déjà chassé. Donc je voulais un peu voir si ces enfants-là sont comme lui. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et nous avons dit, c'est tel père et tel fils. De la manière Jésus l'utilise, c'est de cette manière qu'il nous utilise aussi. Tu ne peux pas te cacher. Nous avons chassé cet esprit et il est parti. Nous voulons dire merci au Seigneur qui est fidèle. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap of faith to Jesus Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Suite du témoignage. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Gore Zeke Honorine. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Bien-Ishaï. Le pasteur l'a dit, si tu es passé de pauvreté à une bénédiction de Dieu, je vais rendre un témoignage qui concerne une bénédiction. J'étais pécheresse, j'étais dans le monde. Et j'ai loti silo, et les silos ont été vendus par mon petit frère. J'ai construit une maison à Cocody Danga, ça a été broyé. J'étais dans la misère à cause du péché. J'ai dormi dans les salons de mes copines jusqu'à ce que je tombe malade et une amie m'amène à la palmeraie. Après 4 mois de maladie, je me suis levé un matin. Je suis rentré dans une assemblée où on tapait tam-tam. C'était l'assemblée des pasteurs Bien-Ishaï. On ne m'a pas prêché l'évangile. Le Seigneur m'a corrigé depuis le monde. Et j'ai pris la direction, je suis rentrée dans l'assemblée. Au moment où j'étais dans le monde, j'ai fait un songe où je cherchais dortoir pour dormir parce que je n'ai plus de maison. En réalité, je n'ai plus de maison. En songe aussi, je n'ai pas de maison, je cherche une maison. Je suis allée chez un pasteur, je dis je vais dormir. Il dit tu peux dormir. Mais c'est un pasteur qui m'a logé ici. Et quand j'ai cru à la CMCI, où on ne m'a pas invité, je m'en vais à Djamé. Arrivé à Djamé au temple, je monte en haut, je regarde en bas. Où je suis allé dormir chez le pasteur en songe là. C'est là. Jésus. Jesus Christ. C'est là où je suis allé dormir en songe, je dis en bon. Donc ici là, c'est la vraie maison de Dieu. J'ai cru depuis 2016. Jusqu'aujourd'hui, je suis à la CMCI. J'ai travaillé dans les maisons en tant que, comme on dit dans les mots, Jossi. Après Jossi, le Seigneur m'a dit, non, arrête ça. Je suis allé vendre au carrefour de la Palmeraie. Ça marchait. Après ça, on m'a amené à Divo, arrivé à Divo. Mes petits frères qui avaient vendu mes silos me donnent 2 papiers de terrain en songe. Et je ne crois pas. J'ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Comment lui, là, il va me donner terrain? Et c'est moi, je suis venu pour héritage. Ça ne fait pas 1 mois, mon petit frère m'appelle. Il dit, je veux lotir les terrains de mon papa. Je dis, ça ne me regarde pas. Je suis une chrétienne. Je suis une femme de toutes les façons. Ça ne me regarde pas. Je m'ai dormi. J'ai fait un songe. Je suis sur le terrain. Deuxième songe. Je suis sur le terrain encore. Je ramasse de l'or. Je dis, c'est que le Seigneur m'a parlé. Quand mon petit frère m'a appelé prochainement, j'ai dit, petit frère, va lotir les terrains. Il a loti. Il m'a appelé, dit, grand sœur, viens, je suis parti. Il dit, je te donne 5 lots. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et comme le Seigneur m'avait déjà montré les terrains, et puis je me suis rappelé de mes terrains qu'il a vendus. J'ai dit, petit frère, les terrains, la sorte, c'est 50 et quelques lots. Je veux 7 lots. Il dit, prends. Le Seigneur a trop fait dans ma vie. Mais je ne peux pas tout dire, sinon je ne vais pas quitter ici. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es vivant, tu es rien. Tu m'as enlevé de la mort, de la tombe, et tu m'as ramené à la vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu m'as délivré de la pauvreté. Et tu m'as délivré de la pauvreté, Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Aka Adeline. Je suis pour faire des disciples, la sœur Siaba Juliette. Je voulais être infiniment reconnaissante au Seigneur, celui qui délivre réellement de la pauvreté.
celui qui délivre de la pauvreté. Disons qu'avant, avant de connaître le Seigneur, je faisais de la prostitution. Quand j'ai dit prostitution, il y avait plusieurs gars qui payaient ma maison, qui s'occupaient de moi. Et lorsque, après, j'ai connu le Seigneur, j'ai laissé tout ça. Lorsque j'ai laissé, j'ai commencé à rentrer dans les crédits de banque, les microfinances. Je me disais que c'était normal, puisque là, je ne demandais pas l'argent à quelqu'un. Je ne me vendais pas non plus. Donc, prendre les crédits, rembourser, c'était normal. Et je me jetais dans les microfinances. Jusqu'à ce que ça commence à me prendre la tête. Je pouvais prendre des millions, mon cœur ne battait pas. Mais à partir du moment où mon disciple me faisait comprendre que ce n'est pas normal. Toi, un enfant de Dieu, tout en prenant des crédits, ce n'est pas normal. Et j'expliquais à une sœur. Elle me dit, mais prendre crédit, ce n'est pas mauvais. Et un jour, je suis venue à la croisade. J'ai dit, ah, toutes les gens rendent témoignage qu'ils sont délivrés, ils sont délivrés. Moi, façon que les crédits m'ont pris là. Bah, je prenais crédit partout, 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 je prenais crédit. Mon père était banquier. Lui aussi vivait sur les crédits. Donc, pour moi, c'était normal. Et c'est comme ça que je suis venue pendant l'année surpassée. Pendant le renversement des principautés, j'avais pris souvent 3 jours de jeûne pour demander pardon à Dieu, que Dieu me délivre des dettes. Et c'est comme ça que je faisais un son. J'étais emprisonnée dans une maison sale avec un monsieur. J'étais assise, tout sale. Et le monsieur voulait m'empêcher de sortir. Derrière moi, j'ai entendu un téléphone sonner. Je me suis levée et j'ai pris le téléphone. Il y avait une porte devant moi. J'ai pu ouvrir la porte, je suis sortie. Je sors, je vois plusieurs portes. Je ne savais pas quelle était la bonne porte. Par la grâce de Dieu, j'ai pu toucher la bonne porte et je suis sortie à la lumière. Et c'est comme ça que mon esprit s'est ouvert en me faisant comprendre que si je n'arrêtais pas de prendre les crédits, j'allais partir en prison. Que c'est là. Voici l'esprit qui a combattu mon père pendant combien d'années. Et que c'est ce même esprit qui me combat sous une autre forme. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré des crédits. Aujourd'hui, j'ai un compte, j'ai l'argent sur mon compte, j'ai pu faire toutes mes restitutions. Et je voulais être infiniment reconnaissante au Seigneur. Amen. Acclamation. Clap offering. Délivré des dettes. Delivered from debts. Délivré des dettes. Delivered from debts. La pauvreté. Gloire à Dieu. Je m'appelle Irée Catherine. Mon père de disciples, c'est le merveilleux, l'ancien Toilier Bobo. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Parle dans le micro. Oui. Je veux dire merci au Seigneur pour 3 choses que nous avons demandé, moi et mes enfants, depuis 2021. Et le Seigneur a exaucé les 3 choses en 2023. Alléluia. Le premier, c'est le BTS de ma première fille. Et le Seigneur l'a donné en 2022. Et nous avons encore continué de prier pour la deuxième fille qui passait le concours de la gendarmerie. Et j'ai essayé de partager même, parce que c'était un peu difficile, j'ai essayé de partager le sujet à les frères, à les anciens. Même j'envoie aussi ce maman Colette par la lettre. Alléluia. Et je me suis dit que ce concours, je ne vais pas demander avec la bouche sec. Je vais faire un vœu au Seigneur. Et par là, comme ça, j'ai compté 100 000 francs pour venir donner au Seigneur. Et quand nous sommes venus remercier le Seigneur pour toutes les choses qui étaient passées en 2021, en 2022, et j'ai déposé la somme dans la maison de Dieu. Et tant qu'ils n'ont pas encore commencé de passer le concours, et j'ai déposé ça comme ça. Et on est resté et on venait. Quand on est venu à UNPJ, le 11e mois de l'année 2022, le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire, elle va voir, dis-lui de prier. Alléluia. Et c'est comme ça. Par la foi, j'ai saisi. Et si je me suis réveillée, j'ai dit merci au Seigneur. Je savais que quelque chose allait se passer. Et après les UNPJ, on est parti. Et quand on est parti, janvier, février, mars, le 30 mars, matin, elle sort, elle regarde sur son portable, elle attend félicitations. Alléluia. Elle attend félicitations. Alléluia. Et
La troisième chose, c'était le fiançailles. Je voulais qu'elle soit fiancée aussi. Et quand le 30 mars, félicitations est venue, le 3 juin... Il reste juin, 30 secondes. Le 3 juin, j'attends encore, une délégation est venue pour dire qu'on veut ta fille. Donc les deux choses sont venues ensemble. Donc je voulais te reconnaître au Seigneur pour lui dire merci au nom de Jésus. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Frère, je vais dire merci au Seigneur. Moi, c'est la sœur Clarisse Kouassi. Et mon frère des disciples, c'est l'ancien Douassaï. Gloire à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur. Lui qui révèle les choses cachées. Frère, aujourd'hui, matin, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a emporté. Elle m'a conduit de prier de ma famille. Et il faut dire que bien avant qu'on ne vienne, je suis à Zopé. Notre missionnaire nous a conduit à prier pour demander les péchés de la famille. Et frère, aujourd'hui matin, le Seigneur m'a conduit et il m'a révélé ce qui a détruit ma famille. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a conduit que c'est la division et l'orgueil. Donc en cette année, frère, que je prie fortement pour ça. Pour que la famille vraiment soit réunie. Parce qu'il faut dire que ma famille est divisée. Il n'y a pas d'entente. Chacun dans son chacun. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas bénir. Et le Seigneur m'avait montré une image. Il m'a montré le balai. Il me disait que est-ce qu'un seul brédit de balai peut balayer. J'ai dit non. Il dit voilà. Donc il faut prier pour qu'il y ait l'union dans la famille. Je lui ai dit merci au Seigneur. Lui qui m'a révélé cela. Pour que je puisse vraiment cette année conduire dans ma famille pour prier, pour que vraiment ma famille soit sauvée, que l'honneur, la gloire nous soit rendue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Incho Amanda, missionnaire numéro 2 à Rubino. Et j'ai pour faire d'ici le pasteur Meunier. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré des règles douloureuses et de la stérilité. Et il faut dire que depuis, je souffrais des règles douloureuses pendant longtemps, plusieurs années, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Après ma conversion, ça a persisté. Et chaque renversement des principautés, je priais que le Seigneur me délivre, parce que je savais que c'était une principauté. Et en 2021, à Tiekwa ici, vers la fin de la croisade, Papa Méné nous avait conduit à prier pour juger tous les esprits qui étaient derrière la stérilité. Et j'avais vraiment prié avec Fado. Et après la prière d'ensemble, il a demandé qu'on se calme, que le Seigneur était là en train de travailler. Et pendant ça, pendant le moment de silence, je suppliais dans mon cœur que Dieu me délivre des règles douloureuses et qu'il nous bénisse. Il faut dire qu'après le mariage, on cherchait à avoir un enfant. Mais c'était impossible. À chaque fois qu'on s'entendait à quelque chose, les menstrues venaient et les douleurs étaient devenues de plus en plus fortes. Donc, on a prié, demandé au Seigneur à cette croisade-là. Et pendant la prière, pendant que j'avais gardé le calme, j'ai vu un esprit de sirène des eaux sortir de moi. Gloire à Dieu. Et après cette délivrance, le lendemain, juste le lendemain, les menstrues sont venues. Du premier jour jusqu'au dernier jour, pour la première fois, les menstrues sont venues sans douleur. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Et juste après le renversement des principautés, c'était le mois d'août. Après le mois d'août, le Seigneur nous a bénis. Je suis tombée enceinte. Et voilà l'enfant. Le Seigneur nous a bénis avec un garçon. Je veux lui rendre toute la gloire, que l'honneur lui revienne. Amen. Viens avec l'enfant. Come with the child. On le consacre à Jésus-Christ. Let's consecrate him to Jesus Christ. C'est l'enfant de Jésus. He's Jesus' child. Prions ensemble. Lève la main. Prions. Raise your hand. Let's pray for him. Le consacrons à Jésus-Christ. Le bénissons. Avec un cœur rempli de foi pour croire en Jésus. Dès ton plus bas âge, pour rester intelligent et sage. Que tes parents soient bénis. Avec tout ce qu'il faut pour t'élever et t'éduquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivant.
Gloire à Dieu. Je suis la sœur une chose au Pinadine. J'ai pour faire des disciples, maman Camille Edwige. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré hier d'un esprit de pauvreté lié à la maladie. On dit que je suis toujours malade. Chaque mois, je tombe malade. Quand j'ai de l'argent, je tombais malade tout le temps. On dit que hier, quand on priait, vraiment, j'ai demandé au Seigneur d'avoir compassion de moi, de me délivrer. Et quand on priait, quand papa Ménia a dit, esprit de pauvreté, toi qui enquêtes la maladie, nous te chassons. On dit, je suis tombée. Et l'équipe de délivrance m'a envoyée par derrière. Quand ils ont prié, ils ont commandé, vraiment l'esprit est parti. Jésus-Christ. Je veux dire merci au Seigneur, lui-même qui a eu compassion de moi, qui m'a délivré de cet esprit de maladie et de pauvreté. Que son nom soit béni. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Esther, mon faisait de disciples, la sœur Didiane de Tanda. Je veux bénir le nom du Seigneur, car cette année 2023, moi et puis ma sœur, nous avons décidé de prendre un village pour conquérir. Il faut dire que ce village s'appelle Tramounou. Le nom Tramounou veut dire boisson. Quand tu arrives dans ce village, l'évangile ne peut pas rentrer là-bas. Mais moi et puis ma sœur, le jour où on s'est préparé pour dire on va arriver dans ce village, quand on est arrivé, le Seigneur nous a dit, n'évangélisez pas, intercédez pour renverser le prince satanique du village. Frère, nous avons commencé à intercéder. Il faut dire qu'un jour, quand nous avons commencé à prier devant l'église, j'ai vu en vision un gros serpent. Tu as apparu devant l'église, en train de vomir, vomir les gens, vomir les hommes, vomir les hommes. Et après cela, on s'est levé le lendemain matin. Nous sommes dirigés vers la forêt. La forêt sacrée veut dire couvre et sobrenant. Le couvre veut dire serpent. Maintenant, le sobrenant veut dire arrachons les bœufs. Frère, nous sommes arrivés devant le forêt. Nous avons dit nous allons traverser ce forêt en nos retours, que ce forêt là prenne feu. La nuit, il y a une môme dans la cour où on est, il y a une femme qui était dans elle, elle a fait un songe, qu'elle partait au champ. Elle traversait le forêt. Maintenant, tout à coup, elle avait un gros serpent avec un blanc qui était arrêté là. Et tout à coup, le forêt a pris feu. Le blanc aussi a pris feu. Et c'est comme cela. Le dimanche, tu suivais et on partait à l'église. Parce qu'on n'avait même pas d'âme là-bas. Nous avons plusieurs prêché le village quand fatigué. Et nous passons aller à l'église. Il y a une femme qui nous a appelé. Que mes filles, venez prendre mon enfant pour aller à l'église avec vous. Nous avons pris cet enfant, nos premières fois d'avoir une âme là-bas. Et l'enfant était lié à la sorcellerie. Frère, le Seigneur a délivré cet enfant de la sorcellerie. Jésus-Christ. À travers cet enfant encore, il y a une autre encore, tu as été délivré de la sorcellerie encore. À travers cet encore, le Seigneur a délivré plusieurs de la sorcellerie. Maintenant, les âmes ont commencé à venir parce que le prince a été renversé. Les âmes ont commencé à venir. Nous-mêmes, on ne sort même pas pour aller prêcher. Quand nous sommes assis, il suffit qu'on se rende dans le village seulement. Les âmes cherchent à nous voir. Maintenant, le diable a vu que les âmes commencent à venir. Dans l'église où on adore, le propriétaire de la maison vient dire, il va nous arracher la maison. En temps, on paye la maison chaque fin du mois. On lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais lui, il veut arracher sa maison. On est parti crier au Seigneur. On dit, Seigneur, délivre-nous de la honte. Nous sommes venus ici pour travailler, pour gagner les âmes. Mais voici les âmes qui sont en train de venir. Mais nous n'avons pas une maison pour les encadrer. Si c'était la volonté vraiment que l'église soit bâtie dans cette village, permet que nous puissions avoir un lieu pour bâtir, pour encadrer ces âmes. Et c'est comme cela, un jour on était assise là, il y a une maman qui est venue vers nous. Elle dit, mes filles, je vais donner ma vie à Jésus. Mais j'ai une place. Vous allez construire le temple là-bas, tout. Là-bas, on va commencer à adorer. Jésus-Christ. Jesus Christ. Frère, le Seigneur se manifestait dans ce village. Et moi et puis ma soeur, nous avons commencé à partir. Cette soeur, elle n'a jamais prié sur le mariage. Elle était déjà dotée, mais à travers le travail que nous avons fait, le Seigneur l'a béni avec le mariage ce 24-là. Je vais bénir le nom du Seigneur, de ce que le Seigneur s'est glorifié à Tramounou, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for the Lord Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Edwige Yoro et mon faiseur des disciples est le pasteur Kwao Emmanuel. Je viens de San Pedro. Amen. Dieu dit merci au Seigneur qui nous a délivrés de la pauvreté. Alléluia. Il faut dire que quand nous sommes mariés en 2014, avant ça, le frère avait perdu son emploi. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu faire le mariage. Quand nous sommes entrés dans la maison, frère, 5 mois après, le propriétaire nous a chassés parce qu'on n'arrivait pas à payer. Alléluia. Et nous sommes retrouvés chez notre faisait des disciples. En ce temps, c'était le pasteur Oka et Molo. Et nous sommes restés là-bas pendant un bon moment. Et après, nous sommes rentrés sur San Pedro chez les parents. Alléluia. Alléluia. Et arrivés là-bas, frère, nous avons commencé le ministère pastoral aux côtés du pasteur Kwao. Et le Seigneur nous a bénis dans la zone. Par la grâce de Dieu, le frère a commencé les cours, il avait commencé les cours à domicile. Ce n'était pas grand-chose. Et j'ai eu un emploi dans une école où je faisais la caisse. Alléluia. Et j'étais payée à 60 000. Et nous avons crié au Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quand on a lancé l'achat du terrain pour attirer quoi, nous avons décidé de donner aussi au Seigneur. Alléluia. Et nous avons cherché Dieu. Combien est-ce que nous devions donner au Seigneur? Et pendant qu'on cherchait Dieu, le frère, il est venu me dire que le Seigneur te dit de chercher Dieu. On va donner. Il dit, mais toi-même, il faut chercher. Il dit, non, bon, moi, j'ai cherché Dieu. Dieu m'a dit, toi, il faut donner la somme. Alléluia. Et pendant qu'il cherchait Dieu, le Seigneur nous a demandé de donner 500 000. Amen. Et quand je lui ai dit, il a dit, vraiment, ça sera difficile, mais comme tu as la foi et que c'est à toi Dieu a parlé, nous allons donner. Alléluia. Frère, il faut dire, c'était difficile. On a commencé à donner au Seigneur sur combien de temps? Et à la maison, on n'arrivait pas à manger. Parce que quand l'argent venait, on enlevait les dîmes, les offrandes, et je donnais tout le salaire. Amen. Et c'était difficile. C'est les frères qui apportaient de la nourriture à la maison, un petit panier pour dire, tenez, c'est pour votre fils. Et nous trois, en semaine-là, on mange la nourriture. Amen. Et le Seigneur nous a bénis là-dedans. On a continué jusqu'à ce qu'on finisse, on solde l'achat du terrain, on paye notre promesse. Après la promesse, quand on a fini de payer la promesse, frère, il reste une minute. Le frère a été appelé, alléluia, à la SACO. Il n'avait même pas déposé ses dossiers. Et le Seigneur, on l'a appelé pour venir travailler. Frère, avec tous les avantages, comme gestionnaire de stock du Grand Boulogne, et le Seigneur l'a béni, alléluia. Et frère, Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand le salaire est venu, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ça avait triplé. Il pensait que c'était une erreur. Il avait beaucoup de zéros derrière. Il a attendu. Il a attendu. Il dit non, c'est une erreur. Et le Seigneur, il a cherché Dieu. Dieu dit non, c'est ce qu'on avait donné au Seigneur à qui il a multiplié. Et puis il nous a donné. Dieu dit merci au Seigneur. Parce que le Seigneur nous a bénis. Et aussi, nous pouvons faire des dons aux frères. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap of friends to Jesus Christ. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Ewuma Kadja. Mon faisait d'ici, c'est la sœur Elle d'Azopé. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus qui m'a délivré de la peur de l'obscurité et qui m'a béni avec la lumière. Gloire à Dieu. Il faut dire que depuis toute petite, j'ai peur de dormir dans le noir. Je dors toujours avec la lumière. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, avec la persécution, on m'a coupé le courant. Quelqu'un qui a peur du noir, tu vas faire comment pour dormir? Mais le Seigneur m'a rassuré qu'il était avec moi. J'ai persévéré dans l'obscurité. Parce qu'auparavant, j'allais fuir. Je n'allais pas rester là. Mais comme Jésus était avec moi, je suis resté dans l'obscurité. Et même, ils ont même planté l'assemblée chez moi. Dans l'obscurité, on est resté là, ferme, dans la prière. Et un jour, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il y avait eu une prière des jeunes. Prière à Azopé.
et on a demandé à ce qu'on héberge les frères qui vont venir des localités. Et j'ai donné ma maison. Quand j'ai donné ma maison, il y a un frère qui a demandé, « Mais la sœur, est-ce que ton courant là, tu as réglé ?» J'ai dit, « Non, mais je dors sous la torche. » Il dit, « Vont dormir sous la torche. » J'ai dit, « Oui. » Et quand je suis arrivé à la maison, vraiment, c'est quand je suis arrivé à la maison, ça m'a pincé le cœur. J'ai dit, « Non, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tes enfants vont venir dormir dans la maison. Pourquoi est-ce qu'ils doivent dormir sous la lampe ?» Dans le monde, quand quelqu'un arrive là, on arrange tout. Donc, tes ministres vont venir dans ma maison. Il faut que le Seigneur t'établisse la lumière. Parce que moi, vraiment, je suis habitué. Je me suis habitué maintenant à l'obscurité. Mais les frères qui vont venir, ils n'ont pas le droit à dormir dans l'obscurité. Et je me suis mis en genoux. J'ai supplié le Seigneur. Vraiment, le Seigneur m'a écouté. Le lendemain matin, je me lève. Il m'a indiqué chez le voisin. Je suis allé voir le voisin. Il dit, patron, vraiment, il y a des étrangers qui doivent venir dans ma maison. Donc, j'ai besoin du courant. Il m'a dit, oui, voici le compteur, il faut prendre. Je dis, gloire à Dieu. Je suis allé, je lui ai dit, mais je fais comment pour connecter? Il dit, non, depuis que j'ai pris le compteur, je n'ai jamais connecté le compteur. Le compteur est là, je n'utilise pas. Il faut prendre, il faut connecter. J'ai vu la main de Dieu. Et je suis allé chez les électriciens, ils sont venus connecter. Pendant ce temps, je cherchais comment j'allais trouver 1000 francs pour alimenter le courant pour que les frères viennent dormir. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le frère est venu, il a connecté le compteur. J'ai dit, montre-moi le code pour que je puisse mettre le courant. On va regarder dans le code. Il me regarde, il regarde le compteur. Il dit, mais la sœur, tu ne vas pas payer le courant pendant un an. J'ai dit, comment? Il dit, nous on met 2000 francs, ça fait 24 kilowatts. Et ça nous fait plus de 2 mois et on est beaucoup. Mais toi, tu es seul. Tu as 106 kilowatts dans le compteur. Alléluia. Le propriétaire m'a regardé. Il a regardé le compteur. Il dit, depuis que le compteur est mis, il n'a jamais chargé le compteur. Il n'a jamais utilisé le compteur. Mais comment se fait-il qu'il y a eu 100 kilowatts? Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que le Seigneur a alimenté le compteur pour moi. Et ce n'est pas arrêté là. Le lendemain, après cela, 2 jours après, j'ai utilisé le compteur. J'ai commencé à réactiver les choses. J'ai dit, bon, attends, je vais aller voir, ça a dû mieux combien. J'arrive, le compteur a augmenté, c'est devenu 108 kilowatts. J'ai dit, bon, d'accord, je vais utiliser le mixeur, je vais utiliser le fer à repasser, je vais utiliser tout ça pour voir ce que ça va donner. Je vais encore, ça fait 110 kilowatts. J'ai continué à utiliser. J'ai dit, bon, je vais vérifier encore. Je vais encore, ça devient 112 kilowatts. J'ai dit, ah, vraiment. Et il y a une soeur qui est venue me rendre visite. J'ai dit, ah, regarde ce que le Seigneur a en train de faire. Mon compteur, là, ça augmente seulement. Elle dit, ah, ils ont fait bonus. Ils ont donné bonus à tout le monde. J'ai dit, mais moi, je ne paye pas facture, on me donne bonus comment? Vraiment, c'était la main du Seigneur. Et le dimanche qui suivait, on est venu à l'adoration. Pour voir, j'ai dit, bon, les soeurs, venez, on va aller voir le compteur encore. Vous allez voir si je mens ou bien c'est vrai. On regarde, ça fait 115 kilowatts encore. Et ma co-dirigeante m'a dit, mais c'est quoi qui fait ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas erreur dedans? J'ai dit non. Si c'était un compteur direct, je pouvais dire peut-être qu'il y a tricage. Mais quelque chose qu'on alimente comme un téléphone, comment est-ce qu'il peut avoir tricage? Que ça, c'est la main de Dieu. Vraiment, je vais lui rendre tout l'honneur, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation. Clap of Jésus-Christ. Jesus Christ. Moi, je suis la sœur d'Aré Oulagé Odile. Il y a beaucoup de disciples, maman Jacqueline. Gloire à Dieu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Lui qui m'a béni avec un mariage. Gloire à Dieu. Il faut dire que dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Je suis issu d'une famille de 22 enfants. 11 filles, 11 garçons. Gloire à Dieu. Et parmi les 11 filles, je suis la dernière.
qui a été doté et marié. Gloire à Dieu! Je dis que c'est puissant. Il faut dire que j'étais dans une autre dénomination, l'église céleste. Mais là-bas, vraiment, je ne connaissais pas le Seigneur. Et aller dans ma vie, la sorcellerie me fatiguait. Les maris de nuit, ils couchaient avec moi. Et dans mes songes, quand ils finissaient de coucher avec moi, en réalité, quand ils finissaient de mettre les trucs de jus sur moi, je ne pouvais pas manger en réalité. Mon ventre était ballonné. En réalité, j'avais la nausée de toutes les nourritures qui passaient. J'ai dit, oh Dieu, mais pourquoi? Mais je vais à l'église, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme cela, une sœur de l'église CMCI m'a invitée. Pendant ce temps, c'était le renversement des principautés. Et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fait ma repentance, mon brisement des liens. Pour la première fois depuis 20 ans, mari de nuit est sur ma vie. Je n'ai jamais refusé dans un songe un mari de nuit. Mais après ma repentance, mon brisement des liens, j'ai eu un songe où ils sont venus. Et puis je les ai refusés. Et j'ai commencé à courir. Depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, c'est que l'église où je suis rentré, je vais rester là-bas. Jésus-Christ. Je vais rester là-bas. Acclamation. Clap of three. Et il a dit, mais où était cette église? Et puis je souffrais. Où étaient ces enfants? Parce qu'il a crié à Dieu. Pendant que je souffrais, que Dieu amène de ses vrais enfants pour m'aider à pardonner le péché. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Et pendant que j'étais dans le monde, il y avait mes frères mains, les frères partenaires maternels qui me disaient, toi tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier. Il y a une qui disait, moi je suis l'échec dans ta vie. Ton argent que tu ne gagnes pas, que tu ne gardes pas, c'est moi. Tous tes gars que tu laisses, c'est moi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais il n'y a rien. C'est comme ça, c'est notre devoir, c'est notre travail. Et je pleurais. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand le Seigneur m'a béni avec le mariage, mon fiancé, vraiment ça a été difficile. Vraiment ça a été difficile. La dot a duré, vraiment les fiancés ont duré pendant un an. Un an. Vraiment, moi, j'étais découragée. On passe ici, c'est bloqué. Pour aller à la dot seulement, c'est bloqué. Pour donner même la liste, cela a duré 3 mois. Il dit, mais pour cette phrase, je ne sais pas combien de fois, de 5 lignes, voilà pourquoi ça fait 3 mois. Et c'est comme cela, pendant le renversement des principautés 2022, il m'a dit, vous priez à Dieu. Et j'ai prié. Mais pendant ce moment aussi, j'étais malade et j'ai rompu le jeûne, j'étais dans un mois de jeûne 2022. Et le dirigeant, mon mari, m'a dit, il faut rentrer dans le jeûne. Et quand je suis rentrée dans le jeûne, dans la prière, on est allé à la maison après la prière. J'ai eu un songe où j'étais allé au village chez moi, à Oulubio. Je viens de Oulubio. Et arrivé là-bas, je voyais un monsieur. On était dans un champ. Et il était arrêté tout noir. Et il me dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Je lui dis, ah, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? Un coup, j'ai senti la force de me lever. Je me suis levé. Il dit, tu vas aller à l'église. Tu vas aller à l'église. J'ai commandé le démon. Il dit, tu vas aller à l'église. Un coup, il est devenu serpent, cobra. Parce que dans ma famille, mes parents adorent cobra, le serpent. Et c'est comme ça. Il dit, hé, donc tu es devenu serpent. Un coup, je vois un couteau dans ma main. Et je piquais dans son ventre. Quand je piquais dans son ventre, je vois les habits de Dot. Bah, tout ça est sorti de son ventre. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je dis, abandon, c'est toi qui gardais tout cela. Voilà pourquoi depuis, on ne nous donne pas la liste. Et je vous assure, ça n'a pas fait 2 jours. Le Seigneur vraiment a visité les parents et ils ont donné la liste. Gloire à Dieu. Et après encore, après la liste, ça faisait comme ça. Les gens ne voulaient pas. Vraiment, le démon ne voulait pas. C'était dur. Moi, j'étais en larmes seulement. Oh Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui m'as dit d'aller au village pour me marier, pour faire la dot. Aide-moi. Dans ma famille, il n'y a pas dot, je le sais. S'il te plaît. Et c'est comme cela, par le merveilleux pasteur Cabran Jocelyn, il a dit à mon fiancé, mais vous dites à ta fiancée, vraiment, de faire une retraite. Pendant ce temps, nous étions dans un jeûne en janvier, jeûne de nation. Il dit qu'il va rentrer à la retraite pour demander pardon à Dieu pour supplier le Seigneur. Et c'est comme cela, il m'a parvenu, il m'a dit, ah, voici ce que mon fidèle disciple a dit.
Il dit, d'accord, je vais le faire. Il dit qu'elle demande pardon à Dieu pendant 21 jours de jeûne. Et je suis parti à la retraite. Et il a supplié le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Il reste une minute. One more minute. Et c'est comme cela. Quand il a supplié le Seigneur, j'ai eu un songe où j'étais dans un tribunal où le diable était là. Et puis et moi, il y avait une voix, il y avait une table et je ne voyais pas la personne. Et pendant que je suppliais le Seigneur disait, va ma fille, je t'ai pardonné. À partir d'aujourd'hui, j'enlève toute la malédiction de sur toi et sur tes parents. Parce que tes parents m'ont beaucoup blessé, ils ont adoré des faux dieux. Voilà pourquoi j'avais prononcé la malédiction sur votre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, j'étais libère. Va ma vie, va en paix. Et le diable était là. Et il dit, mais pourquoi il doit aller en paix? Tu n'as pas dit qu'elle pêche, il doit mourir. Tu n'as pas dit qu'elle pêche, il doit le maudire. Elle ne va pas aller en paix. Et la voix disait, va ma fille, il était libère de la malédiction. Et je me suis réveillée. Et ça n'a pas duré. Voici la dot et le Jésus mariage. Christ. Gloire Jesus à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur, tu m'as délivré. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur à Fort Hélène. Mon frère de d'ici, c'est le pasteur Kofi Gros-Amel. J'ai deux coups de témoignage. Le premier témoignage, je veux dire merci au Seigneur qui m'a béni financièrement. Gloire à Dieu. Quand j'ai cru, mon frère de d'ici m'a montré comment donner à Dieu. Et j'ai décidé de donner 15% de mes revenus à Dieu. Et je suis restée fidèle dans ça. Et après, j'ai décidé de faire du progrès dans ce domaine de don à Dieu. Et j'ai décidé de donner 20% de mes revenus à Dieu. Et quand j'ai commencé à donner 20% de mes revenus à Dieu, le Seigneur m'a béni avec une cliente Benguis qui m'a appelé à Air France, à l'aéroport, pour aller la coiffer. Et cette cliente-là m'a béni. Quand j'ai fini de la coiffer, elle m'a payé en euros. Elle m'a donné 20 euros. Pour le travail qu'elle fait pour la coiffure et elle a donné 20 euros au frère qui m'accompagnait là-bas à la report qui m'a permis de connaître cette cliente. Et 20 euros faisait entre 13 000 et quelques. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai décidé de donner, de faire du progrès dans les dons à Dieu, j'ai décidé de donner 22% de mes revenus à Dieu. Et le Seigneur, quand il a commencé à donner 22% de mes revenus à Dieu, le Seigneur m'a béni avec des clientes Benguis. La première fois, quand c'était 20%, c'était une cliente. Mais le mois passé, le Seigneur m'a béni avec une cliente qui a quitté, des clientes qui sont quittées en France, qui sont venues en Côte d'Ivoire. Les Benguis veulent dire des personnes qui sont quittées en Europe, par exemple en France, gloire à Dieu. Et quand j'ai décidé de faire du progrès dans les 22% à Dieu, j'ai eu des clientes qui sont quittées en Europe. Et la première cliente que j'ai tressée, j'ai eu 25 000 francs de tresse. En tout cas, le prix a coûté 25 000 francs. Les tresses ont coûté 25 000 francs. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et ce jour-là, j'avais beaucoup travaillé. J'ai eu 32 000 francs un seul jour, ce qui n'était pas possible avant. Le Seigneur a rendu possible le mois passé. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne s'est pas arrêté. Il m'a béni encore avec d'autres clients qui venaient de la France. Vraiment, le Seigneur m'a béni financièrement. Et ça m'a permis d'être à jour dans mes tenues en tant que semeur. Et mon disciple qui m'a accompagné pour aller travailler, le Seigneur l'a béni aussi. Elle a pu avoir sa tenue et d'autres tenues. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur de ce qui m'a béni financièrement. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Adjumani Kwadjo Blaise. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Ange à Bangourou. Je veux être reconnaissant envers le terrain des armées. Lui qui a délivré ma fille de l'échec. Frère, ma fille a fait trois fois la troisième. Deuxième fois, ça m'a dit, puisqu'elle a échoué, il faut qu'on cherche du travail. Il faut qu'on la cherche du travail. J'ai dit non. Les études de ma fille ne vont pas arrêter là. Il faut qu'elle continue. C'est ainsi que je suis allé payer le privé pour elle. Et elle a fait la troisième, pour la troisième fois. Elle était toujours la première de sa classe. Mais l'année passée, quand nous sommes arrivés à Tékoa ici, dans mes sujets de prière, j'ai demandé à Dieu qu'il bénisse ma fille
avec son diplôme de BPC. Gloire à Dieu. Trois jours avant les proclamations des résultats du BPC, mon épouse fait un songe où un homme est venu près d'elle pour l'attendre trois diplômes de BPC. Pour dire que ma fille, voilà les trois diplômes de ta fille que j'ai volé. Tiens, gloire à Dieu. C'est ainsi qu'après les résultats, ma fille a reçu son BPC. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Amen.